Et bonjour à tous, c'est Célène et bienvenue sur la suite de ce let's play de Zero no Kiseki. On s'était laissé ici après avoir donc découvert une pilule bleue qui apparemment changerait les personnalités des gens, mais en plus de ça leur donnerait des compétences beaucoup plus élevées, la perception, la force, etc. Et là, donc suite à notre petite découverte, nous avons fait notre rapport à Sergey et on collabore donc maintenant avec la première division, en particulier avec Dudley, vu que eux sont un peu liés, enfin ils ont les mains liées, les poings liés, je sais même plus c'est quoi l'expression en français, étant donné que un de leurs chefs refuse qu'ils enquêtent sur cette pilule bleue. Donc eux vont s'occuper de la mafia et nous on va s'occuper de la petite pilule bleue. Mais avant toute chose, on va faire les quêtes annexes que j'ai pris la dernière fois. Donc on va faire celle-ci d'abord, vu que c'est dans la ville. Donc Residential Street. Ok, allez, sur ce, amusez-vous bien.
Voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter. Oh, attendez, le petit souris. Réarranger le micro sans vous exploser les oreilles. Alors, bon, j'ai regardé pour l'instant. J'ai cru que j'avais oublié le deuxième. J'allais devoir tout recommencer encore. Mais là, ça va. On a tout, on est bien, on sauvegarde parce qu'on n'a pas envie de tout recommencer comme toujours. Voilà, de toute façon, je vais devoir le refaire 4 fois pour avoir les armes ultimes de chaque personnage. Bon, pas trop grave. Enfin bref. Alors, sur ce, on va continuer la suite des quêtes annexes la prochaine fois. Donc, je vous dis bye bye et amusez-vous bien en attendant.